Ah, bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Ah, j'en ai. Ouais, j'ai peut-être mis un peu fond le téléviseur. Enfin, à me dire s'il y a de l'écho ou pas. Pardon. Peut-être éviter d'avoir toujours les oreillettes en retour. Ça change un peu. Je dors debout aujourd'hui là. Je me suis fait une bonne grosse grasse mat, j'ai dû dormir facile 10 heures. Au moins 10 heures si c'est pas plus. J'avais oublié la musique, ouais, c'est bien. Je sais plus où j'en étais dans ma partie, moi. Oh, tellement longtemps que j'ai pas joué. Excusez-moi. Chef mécano de Toulouse, allez, le chef mécano de Toulouse, fais péter Gilles. J'ai connu un Gilles lorsque j'étais au lycée. Et on avait bien rigolé. Authentique, on l'appelait Petit Gilou, il était adorable ce garçon. Alors je sais pas ce qu'il est devenu, je sais que son papa était carrossier. Et à un moment, on parlait métaphysique, vie après la mort, et il avait conclu le débat sur une question entre les flammes et le trou, tu choisis quoi? Ah, c'était magique! Ah, petit Gilou! Si tu te reconnais, salut à toi! Ah, mon Dieu! Ah, rigolade! Ah, cette violence! Ah oui, j'ai le droit de la nitro, mais je sais plus comment on s'en sert. Mais je vais déjà éviter de me laisser harponner par. Non, mais tu peux, hein? Bon, parisien, va. Allô, me. Ah! Cette agressivité parisienne, c'est scandaleux. Eh ben. Vous en penserez ce que vous voudrez, mais c'est pas évident de pas se viander. Oh là là! Je me dis, tiens, je vais faire un jeu rigolo, peinard, tranquille, mais c'est limite si ça me donne pas plus de réflexes que Gran Turismo 3 qui est un simulateur. Oh là là! Oh, le boxon dans la ville! Sous l'arc de triomphe, on n'en parle plus. Oh la vache! Je sais même pas.
Merci, j'allais dire, je sais même pas comment je recule, ils m'ont déboîté. Merci les mecs. Oh là là, cette violence. Non! Il a pris tous les bonus de réparation. Oh là 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 là. Merde. Ah, c'est comme ça qu'on fait marche arrière. Au moins j'ai appris un truc. Non mais le mec qui sait pas conduire quoi. Oh, je vais aboutir, il m'a pété. Mais... Oh, cette violence, mais c'est fou. J'espère que c'est pas propre à Paris, ça va pas nous faire une belle image. À travers le monde. Aïe 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 aïe.
Oh, collision à l'arrivée. Provocation pour les assurances. Ah mon Dieu, ça parle mal. Oh là là, j'ai l'impression que j'ai un souci d'éclairage. Ah oui, il faut zapper, je crois, sur ce jeu, c'est un truc de fou. Sinon, ça arrête pas de tournoyer en terminé. Avec le beau temps, le beau soleil, ça me flingue complètement mon éclairage. Là, j'ai un éclairage déséquilibré. Avec je me refous de la lumière dans la tronche. Attendez. Ça, le machin là, la bite. Ouais, donc un petit peu de batterie. Bon, bah, c'est bien. On y croit. Allez, go. Pas comme ça. Po, po, po. Ou alors, oui, comme ça. Je sais pas si ça m'éclaire bien le visage. Ça a l'air pas mal. Ah, je trouve que là, on voit mieux ma tronche. Ouais, ça rééquilibre la balance. Bon, un petit gilou, il a. Oh. Hein? Je comprends pas les temps. Ah, si, c'est les écarts entre nous, d'accord. Oh, Jamel qui a jamais fini. Accidenté, eh bien. Alors je sais plus comment je déclenche la carrière dans ce jeu. Jesus Peldo. Tournoi, je crois. Oui, ce serait logique d'ailleurs. Choisis jeu conservé, bah oui. Ah oui, bah oui, oula. Oula, j'étais pas à la moitié du jeu. Bienvenue au tournoi international. Tu as 0 sur 110 points. Pour devenir champion du monde et gagner une super voiture, tu dois marquer 40 points. Tu parles de super voiture, ils vont me donner une Lada. Il y a 11 tracés. Oh la vache. On commence à Marseille, à planète Marseille. On va finir sur la Canebière. Merde. Je me suis fait avoir par l'interface, j'aurais dû prendre le temps de la réflexion et de la lecture. Me suis trompé, j'ai lancé la course un peu trop tôt. Wow, c'est quoi cette voiture modifiée tuning là? Oh, le cabriolet. Ah. Je sais pas pourquoi. J'ai cru que la console avait crash. Mais j'ai eu un gel de l'image quand il m'a annoncé 2. Sur 3, 2, 1, partez. J'ai cru que la console avait crashé. Oh là là. Ce jeu de qui? Eh, pas mal la modélisation de Marseille.
cette collision frontale. Bon, bah, on espère que t'ailles bien, que t'as le soleil de par chez toi, ma chère Olive. Oh! Oh, cette violence! Oh, ce crash! Mais non, mais non, mais non. Quoi? Oh, c'est dégueulasse, il y a un mur invisible au niveau du terre-plein central. Je voulais passer par-dessus, j'ai pas le droit. Ça, c'est de l'anti-jeu. Bon, le camion, il nous... Hein, il fait tourniquet dans le carrefour, maintenant, le... Le camion. Oh, j'étais bien placé, et puis il y a eu le drame. Ah, c'est la partie portuaire, là, c'est joli. C'est joli. Ah merde, j'ai fini troisième. Oh, je commence mal le tournoi, moi. Faut dire aussi, c'était très disputé. Ces animations. Ah la rigolade. Ah, Lyon. D'accord, c'est comme ça qu'on fait, ok. Ah, je pourrais bientôt faire une... Oui, en noir, elle est peut-être pas mal. Je pourrais bientôt faire une optimisation, une amélioration de ma tuture. La seule fois où je suis passé à Lyon, en voiture, en vacances... J'avais vu une voie rapide qui longe le Rhône en fait dans la traversée de Lyon. J'aimais bien les bâtiments modernes architecturaux. Modernes, j'allais dire excentriques, non, pas tant que ça. De jolis bâtiments colorés. Non, par contre, le périph à Lyon, c'est... ça fait peur.
Aïe. Bon. Dégomme! Oh la violence! Aïe aïe aïe! Oh ce bloc son! T'as joué la voiture accidentée, je voulais passer sur la droite, mais j'aurais jamais dû. Essaye de retrouver une trajectoire correcte. C'est la violence. La violence routière. Ah, j'ai bien remarqué le bout de barré. C'est foutu. Foutu pour foutu. Attends, elle est où la touche nitro dans le jeu? Ah, Academy. Oh là là, la catastrophe. J'aime bien aller à Lyon perso. Ah mince. Voilà, ouais, faut que je marche des vite parce que je vais jamais remporter le tournoi. Alors, est-ce que j'ai les sous pour optimiser ma tuture, moi? Alors, on retourne dans Paris. Les dégâts! Les dégâts sont monstrueux. Ils sont tellement monstrueux que je perds du pognon, en fait. Oh, et du coup, je peux pas optimiser ma tuture. La violence. Yeah, bar commun. Par contre, je vais faire des déçus. Il faudra peut-être que je le fasse tout à l'heure si j'en ai le temps. Le jeu d'une tuture au hasard, la Gran Turismo, j'ai laissé la liste Gran Turismo 4. J'ai pas pris le temps cette semaine d'injecter les listes des autres opus de Gran Turismo. Parce que chez Frobo, je voulais de la Ferrari, mais. Faut que j'aille piocher dans la liste du 5e, 6e, voire 7e Gran Turismo. Pour qu'il y ait un max de Ferrari dans le lot. J'ai même. Pour tout avouer, j'ai même failli lancer mon direct ce matin en omettant de mettre à jour mon agenda. J'y avais pas touché de la semaine. Oh! Oh, ça a été informatif, ma chère Olive. Ah, le Sacré-Cœur! J'avais même pas fait gaffe qu'ils ont modélisé le Sacré-Cœur. Je l'ai vu sur le côté, là, à gauche. Alors, c'est marrant, quand on parle du Sacré-Cœur, je retiens toujours que je sais que c'est là qu'habite tout proche l'animateur de télé Nagui. Il avait dit qu'il avait vu sur le Sacré-Cœur quand il ouvrait ses volets le matin.
là, oh là, oh là, oh là là. Oh, oh. Il y a de ces collisions. Bon, j'ai toujours pas trouvé la touche pour la nitro. J'ai pas l'air nigo. Non, je suis déjà en feu, moi. Paris Boltil, c'est surtout ça. La question. Oh, la sensibilité à la gâchette pour tourner, c'est un truc de fou. Je l'effleure à peine et puis tout vole en monstre. Merde. Mince, j'aurais dû prendre la sortie avec la clé à molette. Oh. Clé à molette. Ah oui. J'en ai perdu momentanément ma plaque d'immatriculation. C'était quoi ce bug d'affichage? Oh mon Dieu. Eh ben dis donc. Ah voilà qui est mieux. Et là je devrais l'avoir là, l'optimisation. Ah j'ai débloqué Londres 1. Pam, pam, pam. Ah, ce serait la première fois qu'on sculptine Londres. La voiture est déjà entièrement réparée. Ah, bah c'est bien. J'ai atteint l'arrivée à l'état neuf. La bête nouée. Attendez, je bois un coup avant de lancer la course parce que. J'y suis. Tellement bon qu'en vrai, je vais sûrement aller me faire une petite course entre midi et deux. Je sais pas encore avant ou après mon déjeuner, parce que je sais pas ce que je me déjeune. Et profiter un peu du beau temps, donc je redémarrerai mon antenne plus tard dans l'après-midi. Je pense que je démarrerai plus vers les 15h, voire peut-être les 16h, je sais pas, on verra. Mais bah cool, hein. J'ai envie de dire comme tout le monde, j'ai envie de profiter de ma journée. Ah, il ferait beau, c'est dommage que je mette pas mon pif dehors, sachant que j'ai pas de contrainte horaire. Le truc qui fait plaisir. Oh la vache, la violence. Oh! Oui, aïe, 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 aïe. Oi oi oi. Ah, c'est des bus londoniens. Et puis là, c'est Chinatown, c'est le quartier asiatique. Chinatown, 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 Chinatown. Ding 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 ding. Alors, il est où Boris Johnson et David Cameron qu'on les écrase? Et je rigole, mais. Comment qu'ils ont. Le fond de ma pensée, c'est comment ils ont foutu leur nation en l'air, rien que pour satisfaire leurs égos. Avec, vous l'aurez compris, l'histoire du Brexit. Pour moi, ça se résume à ça, hein, le drame anglais. Enfin bon, bref.
Alors ça veut dire quoi? J'ai eu un malus dans le pognon ou bah, je regarde au ralenti, j'ai pas fait gaffe combien j'avais. Elle me dit que j'ai 8000... C'est Buckingham Palace ça, j'ai l'impression. Oh, l'état de ma bagnole, c'est bien dangereux là. Ouch! Ah, les terre-pleins, c'est traître dans le jeu. C'est littéralement des... soit des dodans, soit des murs invisibles. Ils ont quand même pu faire un effort dans la modélisation du jeu parce que c'est traître. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oula, oula, oula. Oh là là, ce renversé de bus londonien. Hop là, bonjour cousin. On m'en parle pas. Oh, la voiture est devenue folle là. Bien le bonjour, c'est le cousin. merde. Le pire c'est que le truc me dit de tourner à droite et puis je vois pourquoi moi j'ai une envie irrésistible d'aller à gauche. Le mec qui a rien compris. Non, comment qu'il m'a harponné le salopard. Mais... on va se calmer là. Mais... ah cool, je suis premier. Oh bien, ça fait plaisir. Oh, comment qu'il rentre dedans. Oh là là, la police aussi. Eh ouais, voitures en feu. Et encore, si j'ai bien lu l'interface, j'avais la moitié des dégâts. Entre guillemets seulement. Qu'est-ce que c'est quand t'es complètement cramé? Ça va être une boule de feu qui dirige. Ah, je me souvenais pas que le jeu était si sensible. Ah, et là, au niveau de la direction. Les animations des persos. Et d'un bourg. Alors les dégâts. Non, faut pas déconner, le grade c'est pas pour maintenant. Oh! Bah c'est très mal parti. Oulala. Oh,
c'est beau. On voit qu'il y a, il y a un effet route pavée vieille ville là avec les lampadaires. Mais ils ont fini de me déboîter là, de s'amuser à me percuter. Non mais même dans sans supposer des non-concurrents à la course le font aussi. Oh la folie. Ouch. Ouch. Je suis arrivé trop vite, j'aurais dû freiner davantage. N'attendez pas un virage aussi serré. Mais non, mais... Je cherche désespérément la touche pour la nitro. Ça doit être une gâchette, je sais pas laquelle. Oh ça c'est beau. Ça c'est beau. Oh la vache. Comment j'ai réussi à remporter la course au dernier virage. Ouf. Me voilà rassuré. Oh, bah, c'est bien, je reprends des couleurs dans le tournoi. Presque à mi-tournoi là. On doit faire la 6ème sur 11. On retourne à Paris. Oh, bientôt l'upgrade. Bientôt. Optimiser la tutule.
Et c'est fini. C'est bizarre parce qu'au début du tournoi il mettait 3-4 tours, là il n'y en a plus que 2 à chaque fois. Je sais même plus ce que c'est comme tuture. Mais je sais même pas s'ils ont les droits des modèles officiels. Non, tu vois, j'ai même pas l'info de qu'est-ce que je pilote. Ah, je peux plus optimiser la tuture. Lyon 2. Oula, 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 avec les travaux là, c'est complètement piégé comme voie. Alors, je suis censé avoir une meilleure maniabilité avec une optimisation de bagnole, mais j'ai vraiment le ressenti du contraire. Moi c'est pas mieux. Thank you.
Ah, deuxième. Je me défends, c'est bien. Du coup, dans le tournoi, au niveau des totaux, ça donne quoi? Oh ouais, j'ai une bonne avance, et oh. Vache. C'est bien. Il reste 4 courses. Marseille 2. Heureusement que j'ai de la thune, rien que pour les dégâts. Aïe 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 aïe. La vache. Évidemment, je me demande si les freins font effet. Ah, j'ai un gel. J'ai plus d'image. Oula. Je sais pas pourquoi. Bien l'effet de soleil de face, bien bien réalisé. Oh la vache, ce virage il est traître. C'est une montée en butée à la San Francisco. Alors cet effet de voie de circulation en escalier à façon de San Francisco, c'était redoutable dans Grid. Parce que dans ce simulateur automobile, il y avait justement des traces effectives dans... Bon, je crois que c'était San Francisco sans déconner. Enfin bref, c'était de... en escalier quoi. Mais évidemment, c'est... c'est la fête aux amortisseurs dans ces moments-là. Oh là, comment j'ai projeté la bagnole. Peut-être que je comprendrai comment on s'en sert. La thune. Non. Merde.
Mais merde! J'ai échoué à l'arrivée, moi. Oh, y a encastré dans le pilier d'arrivée. Du coup, je suis deuxième au lieu d'être premier. Aïe, aïe, aïe. Tressé, mon bébé. Peut-être changer la couleur. Tiens, je vais repasser en bleu. Ah non, les euros là, c'est en rouge, ça donne bien de la thune. Je viens de voir mon compteur de sous crédité. J'avais peur que le rouge distingue un malus, mais non, non. Mais là, j'ai pas compris la route là. Ah oui, d'accord, ok. Pas plus étroit comme voie de circulation là, pour une course. Ouais. Oh le boxon. S'il y a du trafic dans ces petites voies, ces petites rues, c'est juste injouable. Ça devient un jeu de qui au forcing. C'est tout ce que ça donne. Cette violence. Ah, c'est ça la micro, ça y est, j'ai trouvé. Il faut rester appuyé un petit bout de temps, il y a une amorce de façon diesel. Oui. En fait la nitro elle sert à faire un départ canon dans les hauts et bas, histoire d'avoir un rythme d'enfer.
Les autres, ils arrivent quand? Ah si, quand même. Je me demandais si je leur avais mis un vent énorme ou pas. Bon, sauf erreur de ma part, je peux plus perdre là, mon tournoi. Bon, excusez-moi, je viens d'exploser ma perche. Un micro webcam d'un bon coup de genou. Il est où, deux? Ah oui, sans déconner, reste de coup, je peux plus perdre là dans les points, c'est un truc de fou furieux. Si j'ai bien compris la règle du jeu, ils avaient annoncé que je remporte une belle bagnole si je remporte le tournoi. Je me demande ce que ça va être. Comment qu'elle avait lancé la bagnole qui s'est renversée sur le côté. Oh. Bon. Je veux dire, ce qu'il y a, c'est joli. Esquiver le tas de sable. Ah, il y a deux tours seulement. Oula, comment je roule sur la haie, le truc pas possible. C'est invisible niveau lecture de tracé. C'est des murs en briques grises, c'est un cauchemar. Sur les poils aussi. Oh.
Oh oui! La domination totale. Las Vegas. Oula, qu'est-ce que c'est que ce dessin de... Oh vache. Il va se mettre au veille. C'est la célèbre avenue de Las Vegas qu'ils ont même modélisé dans Grand Theft Auto. Oh là 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 là, la police qui vient me harponner joyeusement. Alors là, par contre, on est dans un truc complètement fantasque. Oh là là. C'est quoi, c'est un terrain? Non, c'est pas un terrain. Oula, ça prend subitement des airs de Need for Speed. Là. Chaîne sur la voiture de police. Bonjour, framboise. Ah oui, c'était un golf. Je viens de voir les deux clubs croisés là en présentoir. Si, si, c'est bien un golf. Mon dieu, l'imagination délirante des concepteurs du jeu.
Oui, ce que je disais tout à l'heure, Frobose, c'est toujours la même liste hein, pour le Grand Tourisme. J'ai pas complété avec Keys of the Puce, mais ça viendra. Ah, je suis pas dernier, je suis troisième. D'accord. Oui, ça va dans l'ensemble, merci. J'espère que toi aussi, mon cher Frobose. Ah, j'ai à me faire des petites courses tout à l'heure, entre midi et deux, parce qu'il fait vraiment bon là, sur Nancy. C'est pas à toi que je vais la prendre. Il y a un beau ciel bleu. J'irai flâner un peu dans le quartier, m'acheter 2-3 trucs frais. Donc, je risque de la prendre un peu plus tard cet après-midi, on verra. Alors, c'est quoi cette voiture? Quel modèle en vrai ça m'inspire. Oui, une super sportive anglaise. Une course. Ah, parce qu'il n'y a qu'un tournoi? Attendez. Non, il n'y a qu'un tournoi dans le jeu? J'ai déjà fini ce tournoi. Ah, j'ai déjà fini le jeu en fait. Oh, ça va vite. Ah, je m'attendais à un peu plus de contenu. Et pour profiter de mon super bolide, je fais comment? Ah, viticulteur, oui d'accord, mais avec la bonne bagnole, ok. Blabla la tuture. En tant que je teste la voiture que j'ai gagnée. Ouais, Las Vegas, oui ok, non mais c'est la mort Las Vegas, hein, c'est un truc de fou. D'accord, en fait j'ai dévoré tout le contenu du jeu. Paris. Oh. Ouais, bah Lyon, c'était rigolo. Non. Oui, on fascine. Ah oui, l'anecdote. Oui, quand on parlait de, je sais plus, de catch patatage, là, je te disais, il y a qu'à sortir dans la rue. Pour avoir un patatage de mec, ça m'a rappelé une sortie en famille où on allait faire du bowling sur Nancy, là, le Kinépolis, quoi, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, pas celui de Les Nations avant d'œuvre, hein, Frobose l'autre, celui qui est au centre de Nancy, et il y a deux pistes de bowling en fait. Bref, ce qui est triste, c'est qu'il y avait deux mecs sûrement pour une rivalité amoureuse. Était sorti d'un bloc, enfin un bloc HLM, d'une barre d'immeuble, et ils sont venus en main pour très probablement voilà une rivalité amoureuse. Mais ce qui était affolant, c'est que les mecs, il n'y avait plus rien qui comptait au monde, hein. Ils se patataient, mais ils se roulaient sur le trottoir, et même ça a fini sur la route. Et le problème, ça a beau être un quartier résidentiel avec quelques carrefours. Ce jour-là, il y aurait eu un mec qui arrivait un peu en excès de vitesse, il écrasait les deux mecs. Quoi. Il était en train de se patater sur le bouillon. Donc voilà pour l'anecdote auquel je pensais quand je dis qu'il n'y a qu'à sortir dans la rue pour avoir de la violence gratuite. Ah là 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 là. Bon, c'est une scène qu'il y a eu il y a 10 ans de ça, si c'est pas plus. Évidemment, ça m'avait malencontreusement marqué parce que ça m'avait attristé.
Ah, brasserie, c'est rigolo de voir des. Ça doit être une super bagnole, va la maîtriser, toi. Un cauchemar. Oi, 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 oi. Ah, c'est la voiture de police qui me transporte, là, pour le coup. Super bagnole dans le dessin, mais à maîtriser la tuture, elle est plus balèze que le modèle précédent là, que j'avais lors du tournoi. Là. Ça me fait bizarre de me le dire, mais on a fini le jeu. On a fini le Paris-Marseille Racing 2. Il est rigolo, mais bon, je le trouve un peu court. Le tremplin, puis résultat, je me suis encastré dans le mur. La merde, demi-tour, je suis pas dans le bon sens. Voilà, alors, le mec qui voulait pas se désencastrer. J'ai merdé. Ah, deuxième.
Bon. Bah du coup, j'ai envie de dire, je vais zapper le jeu puisque je l'ai fini. Ah, je m'attendais quand même à un peu plus de contenu. Oh, allez, soyons fous. Je me sens pas assez en forme concentrée, là, je suis baba cool ce matin. Pour prendre la suite de mon, souvenez-vous, j'avais un championnat engagé avec les Gilets Vertigo dans Gran Turismo 3. Mais je le ferai plus à mon avis jeudi. Mais pas que jeudi qui arrive, va être férié. Peut-être d'ailleurs que jeudi je ferai une journée spéciale Gran Turismo du matin au soir. C'est pas impossible. Là je serais tenté, figurez-vous, que je suis retourné dans un des magasins de, de jeux vidéo. Pour acheter, gratter un petit peu de trois trucs intéressants. Et je l'ai pas essayé, je l'ai même pas nettoyé, là, acheté brut cette semaine, de case. J'ai bien envie de me lancer sur la PlayStation 2 le Verali 3. Autant j'ai connu le 1, j'ai connu un peu le 2, le 3, je le connais pas de Verali. Donc. Hop là, attendez. Je vais faire le changement de jeu. Alors, je vais déclarer autre chose. On va déclarer Verali 3. Je sais pas du tout dans quoi je m'engage avec Verali. Ah mais on écrit avec, ouais, avec un trait d'union. Le peu d'images que j'ai vues en couverture, ça me semblait beau comme jeu. Oh, j'ai bon espoir d'être émerveillé par ce que je vais avoir sous le pif. Attends, j'ai un espace là aussi. Alors, je. Voilà. Hop là. Je pourrais mettre un espace dans mon truc parce que voilà, au niveau de l'interface c'est un peu mieux. Tiens, c'est bizarre, au niveau de la citation il me fait un truc vierge. Alors j'ai pas fait gaffe quand j'ai mis le plan là. Je crois que la citation ne reste à l'écran que 1 minute. Alors, qu'est-ce que ça va donner ce Verali? Je n'en ai aucune idée, à vrai dire. Là, c'est la totale découverte. Là, je prends le risque. Alors, qu'est-ce que je fais? Je connais pas la musique du jeu Verali. Peut-être laisser la musique du jeu par défaut, on va voir, elle est peut-être bien. Autant j'avais coupé avec Paris Marseille Racing là. Bruno Brunel. Eden Studio, il me manque quelque chose. Et s'il y a de l'arcade, je commence par l'arcade parce que franchement aujourd'hui je reconnais que je suis dans un état second, mais gros sur la relaxation. Vous voyez, pas bon. Je vais comme un sagouin, j'ai un lâcher prise, mais qui me fait du bien, j'ai un besoin. Ah! Alors, ça, c'est peut-être le risque du support crade. J'ai pas vérifié l'état du. du DVD. Donc, je vais essayer de faire un premier nettoyage de la surface du support. En espérant que
Au pire, si je ça bloque aujourd'hui, je le fais un autre jour, j'ai un système de restauration. Désolé pour le di. Non, là, le coup de chiffon spécial que j'ai passé en surface, j'ai bon espoir qu'il n'y ait plus le bug. Donc j'espère qu'on va pouvoir exploiter le contenu du DVD. Bonjour Gameboy, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va, tranquille, là, je suis baba cool, relax, il fait beau, il fait bon, donc c'est bien. J'espère que toi aussi, tu vas bien, Gimbal. Ouais, chiffon en peau de soie, ouais, c'est les... Alors, normalement, mais j'ai la chance d'en avoir plusieurs, vous savez, c'est les chiffons, justement, pour entretenir les carreaux de lunettes. Et voilà. J'ai pas décalé ma caméra, mais si j'ai l'impression... Alors on va voir, je vais laisser encore la cinématique, on va voir si ça crache encore. Ça crache encore au niveau de la cinématique. Donc je vais faire réinitialisation, on va voir. J'espère que je ne vais pas avoir de déconvenus à l'utilisation. Parti. Sinon, si c'est vraiment frustrant et que j'arrive pas à... On passera encore à un autre truc, un autre jeu, mais comment dire, il fera l'objet d'une restauration. Ah. Oui, c'est si les chiffons avaient ouais, il y avait cette qualité aussi soyeux pour essuyer le popotin, oui, c'est sûr que là, ça aura un succès fou. Et je n'ose imaginer le prix du papier hygiénique. Alors, je vais casser la cinématique. Créer un pilote. Alors, on va voir ce que ça va donner. Le numéro 54. Nationalité française. Look. Oh. Oh, pas mal de... Oh, pas mal barbu. Ok. Alors, Verali mode, course rapide, option, on va peut-être aller voir déjà dans les options. Position, ah oui, l'écran, oui, non, ça m'a l'air d'être bien. Vitesse en km/h, les textes en français, c'est apprécié. Vidéo, ah, c'est les, d'accord. Course rapide.
Un contre-la-montre. Histoire que je me fasse une idée de la... Ah, c'est... Attends. 27 km. Comment ça se fait qu'il y a ça? Je suis en train de me dire si j'ai pas racheté un jeu que j'avais déjà. J'en suis capable. Oh merde! C'est bizarre que j'ai une sauvegarde du jeu sur ma console alors que je m'en souviens pas. Attends, mais... Je vais même vérifier sur mon antenne. Est-ce que j'ai pas annoncé comme un niveau dans ma liste de jeux PS2 que j'avais déjà vu Rally 3? Minute. Parce que je vous affirme ne pas l'avoir mise à jour. Non, je vois pas Verali 3. Bah, c'est bizarre, j'ai pas... Ah, c'est bizarre. Alors, ce qui est possible aussi... C'est avec mon neveu. Fut un temps, je crois que je lui avais prêté mes cartes mémoire. Et encore? Non, puis attends, j'avais mes cartes mémoire, je m'en servais il y a 10 ans de ça sur la PlayStation de mon ex-beau-frère. Alors c'est peut-être la démo, mais je pense surtout que j'y ai peut-être joué, je m'en souviens plus, chez mon ex-beau-frère. Il y a 10 ans de ça. Ça expliquerait pourquoi j'ai du contenu à ma grande surprise par rapport au jeu. Parce que je me vois pas lancer un Verali 3 de mémoire. Donc je pense que c'est ça l'explication. Je m'étais pointé chez ma frangine avec mes cartes mémoire. Et j'avais joué sur leur console. Mais je me souvenais pas qu'ils avaient Verali 3. Je me souviens du 1 et du 2 qu'ils avaient. Mais surtout que le 3 est exclusif à la PS2, que je sache. Ça... Enfin bref. Ouh, l'Angleterre, c'est redoutable. Vas-y voir que je teste l'Angleterre. Voiture. Alors attends, il y a un Peugeot 206, c'est tout ? Ah, c'est là où je peux choisir la tuture, ok. Oh, la Seat Cordoba. Elle m'est tellement rare que je veux bien l'essayer, dis donc. Oui, bah je vais honteusement laisser par défaut. Pilotage, ça veut dire quoi, pilotage? Ah, les réglages, d'accord. D'accord. Vas-y voir, départ. Ouais, 6 bornes, ouais. Oh. 3, 2, 1, go! Alors je découvre. Waouh. 100 mètres, droite 3. Gauche 3. Gauche 4. Oh. Le décor me plaît bien. Aïe aïe aïe. Droite 5, l'eau. Oh, les murs en parpaing. 100 mètres, attention, au tunnel.
Droite affondant, gauche tank. Alors, comparé au 1 et au 2, là j'ai une étrange sensation de mou. J'ai l'impression que la voiture est mollassonne, tel un effet guimauve. Parce que le 1 et le 2 sur la PlayStation 1, ils étaient beaucoup nerveux. Là j'ai l'impression de me faire endormir. C'est bizarre. Alors, est-ce que j'ai déjà vu un rallye en vie réelle? Non. Une exhibition voiture de rallye, oui. 100 mètres, gauche 3, long. D'ailleurs, je sais pas si... Ah, je sais pas si j'ai le droit de le faire sur Twitch. C'est de vous présenter, de vous commenter en plein écran les photos du rallye de Rennes. Je crois qu'il y a des droits qui s'appliquent, et puis même les anonymes, non, il faudrait que je foute les visages, je crois. D'un point de vue légal, donc je sais pas si je peux le faire. Il faudrait que je prépare en amont la sélection de photos où on voit que les bagnoles et pas les individus. Non, j'ai pas fait. Je sais pas si toi tu l'as déjà fait, propose. Mais avec le départ Plastan, non, j'ai pas souvenir de ça. Non, l'édition, je crois que c'était le 50e rallye de Lorraine, là, il y a... Pareil, il y a un paquet d'années de ça. Merde, comment ça s'appelle près du canard de la Mare Noire. Il y a le karting au Berlin, voilà, au niveau du karting au Berlin, c'est ça. Il y avait à l'époque une exposition de... 100 mètres, droite 5, long. Ah, Plastan contre Vegas, ouais, ça c'est la classe. Ah, c'était l'époque où la Plastan était encore routière. Oh, t'as eu l'agression. Concentre-toi. Il est pas agressif du tout, copilote. Ok, et le ralenti. Oh. UTV. C'est beau. Thank you.
Ouais, le paysage est super. C'est bizarre parce que dans les menus, j'avais souvenir d'avoir choisi la Grande-Bretagne et au final, il m'a foutu une étape en France. Là, on doit être sur la Côte d'Azur. Enfin, si j'ai bien compris. Ah, c'est superbe. Il y a un truc qui me fait peur avec Verali, que je me souviens des deux premiers opus, c'est le côté punitif du jeu, c'est-à-dire que si tu fais pas de bonnes performances, tu n'accèdes pas à la suite. Ce qui pourrait être fort dommageable en fait, ce qui rendrait le jeu non diffusable. Parce que ça serait en boucle de faire à chaque fois la même épreuve avant de la maîtriser, donc pour vous c'est pas super joyeux. À l'inverse d'un World Rally Championship, comme vous l'avez vu, même si je fais une contre-performance, ça n'empêche pas d'accéder à l'étape suivante. Et l'essentiel est là, c'est le concept de promenade virtuelle. Voilà, c'est l'arrivée de l'étape. Et B. Alors, comment je reprends la main? Ah, comme ça, d'accord. Ok. J'ai quand même une sensation d'effet guimauve avec la tuture. Alors, ouais, on va essayer de se lancer dans la carrière, gare. Guerre. Alors, nouveau. Ben non, mon nouveau perso. Championnat 1v6 réunit 8 équipes de 2 pilotes qui se disputent le titre champion. Une fois de plus, vous devez courir 5 spéciales dans chacun des 4 rallyes. Tous devront donner le meilleur d'eux-mêmes tout au long de la saison et atteindre les objectifs définis par leur responsable d'équipe. Seuls les meilleurs parviendront à se faire remarquer par les meilleures écuries et accéder aussi à des voitures plus puissantes la saison prochaine. Lorsque vous aurez prouvé que vous avez les qualités requises, vous pourrez peut-être même courir dans la cour des grands. Eh bien. Veralimod, bienvenue, voici votre bureau où vous gérez votre carrière et accédez aux informations sur les pilotes et les écuries du championnat Verali. On se croirait dans l'interface de Toka. Vous devez avant tout signer un contrat. Pour cela, consultez vos messages. Certaines écuries sont peut-être intéressées par vos talents de pilote. Toka, qui je le rappelle, est une trilogie de excellents simulateurs pluridisciplinaires. Simulateurs de course automobile. Alors, les emails. Ah oui, on dirait vachement du Toka. Je me demande s'ils n'ont pas fait un copier-coller.
Alors, tac, 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 écurie, machin. Les statistiques de l'écurie. Ils sont en dernière position. Ouais. Elles sont juste derrière. Septième position. Citroën, sixième position. Et Eurosport. Prêt pour l'envol cette année encore. Serons-nous captivés par un plateau de pilotes au grand talent? Ne laissons pas le suspense planer trop longtemps. MG me semblait être pas mal. Surtout qu'ils ont la fiabilité au max. Ah. Tac, 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 tac. Allez, Chine chez eux. Essayons chez MG. Alors, Finlande. Oui, c'est ça, c'est punitif. C'est punitif. Tentative numéro 1. Meilleure de capacité derrière volant, terminer ce parcours en moins de 2,38,50 avec le moins de dommages possible. Oh là là. J'ai que 3 tentatives en plus. Oh la pression. Ouh. 3, 2, 1. Mais le jeu a l'air magnifique. On va dire qu'il se mérite. C'est beau. Gauche 3. Droite 2. Gauche 2. Non, c'est pas bon, vu la tête qu'il fait.
Oh là 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 là. Comment on peut expliquer un tel dérapage, décalage? Waouh. Le temps de référence est 2:38 et j'ai fait plus de 3 minutes. Oh là là. Oh la vache. Ah ouais, le jeu est dur là. Le jeu est dur. Ah, là j'ai un peu de vert, enfin. Oula, 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 c'est la caca. Bonjour, Twinsel. Ah, j'ai fait déjà bien mieux. Alors, est-ce que la dernière serait la bonne? Parce que normalement, j'ai le droit qu'à 3 essais. Du matin, oh la vache, du coup tu dois être bien décalé pour une scène. Twin Cell en même temps, du coup je fais n'importe quoi.
truc à pas faire. Droite 2, gauche 2. J'ai une crevaison, ok. Je me disais, putain, il y a pas tout la tuture. Bonjour, FunFan. J'avais mis la télévision, mais c'est qui m'a regardé? Ah, c'est elle qui t'a regardé. Oui, tu t'es endormi devant ta télé. Ok, je viens de comprendre. Oui, bah oui, je pense bien avec le décalage, t'étais claqué. Alors, attendez, j'essaie de comprendre la logique du jeu vers Ali 3, là. Il me dit que je pourrais faire mieux la prochaine fois. Ça veut dire que je loupe tous les essais de tout le monde, ma carrière est finie? Ah, tentative sans limite. Ok. Alors attendez. Citroën, c'est limité ou pas? Ah, j'ai qu'un essai. Eux, ils sont encore plus stricts. Bon, on va le faire pour le plaisir de découvrir une piste. On a commencé à installer vers 18h, ouais, pour finir à 2h du mat. Ouais. Enfin, t'es rentré chez toi à 2h du mat. Ouais. Oh la vache. Oh les belles couleurs automnales. Pardon. Ça me rappelle un opus de Need for Speed, tiens, avec les belles couleurs automnales. Droite 3, ouvre.
Voiture, droite 3. Réseau Citroën. Ah, honnêtement, je m'attendais à faire encore plus brouillon que ça. Alors là, le ralenti vaut le coup. Parce que l'étape est belle. Essayer. Ah bah oui, bah oui. Oui, bah bon, caméra café à toi. Finalement, je suis en train de me dire, je peux remettre ma musique habituelle. Là seulement que je réagis, là, je me mets en même temps que les bruits moteurs. Ah, bonjour Christella. Oula, il y a eu un balayage trop bizarre dans le... Non, moi il fait bon sur Nancy, j'ai du bol, là j'ai 24 chez moi. J'ai cru un instant avec le motard, vous avez peut-être entendu un fou furieux là qui vient de se faire 100 km/h si c'est pas plus. J'ai cru que j'avais la fenêtre ouverte. Non, elle est fermée, ça fait peur. Le mec il est fou. Non, ça va très bien. Et toi, Christella, ça va? Tu souffres déjà de la chaleur dans ton secteur? Eh oui, c'est un échec. Bon, Volkswagen, nombre d'essais limité. Je vais bien finir par réussir à... Oh, puis France, Goudron, c'est encore la Corse. Ça me rend fou. J'ai peut-être misé sur une meilleure... ouais, une meilleure accélération. Je pense que ça va me porter chance. Enfin, porter chance. Ça va m'aider à réussir. Ouais, dans le sud-ouest, ouais, c'est comme ça monter.
framboise. 3, 2, 1. Allez, on y va. Allez, go. Non, il n'y a pas de problème, c'est toujours aussi beau. Ok. Je pense qu'on va être dans le bar, là, j'ai vu ça me fait. Alors, je vais essayer de mémoriser l'étape. Merde. Voilà, la bosse, elle est mortelle. Demi-tour. J'ai bousillé la boîte de vitesse. Droite abondante, gauche sec. 100 mètres, allez plus vite. Il me stresse le coup de pilote. Aïe aïe aïe. Attention au tunnel. Attention au tunnel. Comment que j'ai déjà désossé la bagnole. Gauche 4. On est qu'au premier secteur, ça fait peur. Je vais pas finir l'étape. Je vais finir sur le bord de la route et en feu. Voilà comment ça va se finir. Ah bah oui, je me souviens de l'étape là. Magnifique. Ah, c'est la fin. Ah bah finalement j'ai atteint l'arrivée de l'étape moi. Bah à part mes deux gros crashs, c'est correct, il faut que j'évite les gros crashs quoi. Alors attendez, je vais vous lire le temps du ralenti qui à mon avis va être magnifique du paysage. Alors, oui, donc tu me disais que c'est là que ça commence à monter ici, dans le sud-ouest. Ah, perdu à la pêche au livre. Tac, 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 tac. Ah, t'es déjà bouffé par les moustiques dans ton secteur, Olive. Oula. Non, je fais pas de magie, Christella, non, non. De quoi? Mais ça va pas, fan. C'est Nicolas Sarkozy, n'importe quoi. Mais il est fou. Aïe, aïe, aïe. Ah, oh, j'imagine Sarkozy. Oh là là, dans le costume. Waouh. Ça pourra faire l'objet d'un sketch des Guignols, tiens. Aïe, aïe, aïe. Un fun fan qui avait ressorti dans son Discord un épisode des Guignols sur Sarkozy, justement. Enfin, mais pas que. Droite City, là. Ouais, c'était rigolo. Ah, c'était une époque, ça.
Aïe aïe aïe. Oh, l'état de la bagnole. C'est horrible parce que sans, il n'y aurait pas les décalcomanies pour appeler le constructeur. Je me serais vu comme ça, je me serais posé la question si c'était pas une Smart qui s'était fait défoncer. Oh, la terre ocre, elle est magnifique au niveau du décor. Ça, c'est quoi? C'est la dernière portion du tracé, c'est ça? J'avais pas vu la nana sur le rocher en maillot de bain. Aïe aïe aïe. Elle est. C'est comme mon autre jeu de rallye là, le. Sur PS3 là, que je fais de temps en temps, le Colin McRaeder. Il y a des baraques qui ont été modélisées superbement. Hein. T'as envie de visiter les propriétés, tellement qu'elles sont belles. En vieille pierre. Voilà l'arrivée. Alors par rapport à ta question, Felfan, par rapport à la cité de Carcassonne, je pense que c'est... Oh là, je me trompe, possiblement. Je pense que c'est plus du côté de Cristella que du tien, parce que toi, t'es en Provence, Felfan. Alors la cité de Carcassonne, ouais, c'est vraiment dans l'ouest. Toi, t'es à considérer être dans le sud-est, Felfan. Bref, attends, je vais zapper le ralenti et puis je vais réessayer l'étape. Bien, bien. Attends, je recommence là parce qu'elle se met beaucoup trop facilement en tête à queue au freinage final. Ah non, je peux même pas, je suis obligé de reprendre. J'ai pas le droit de relancer comme ça. Voilà, c'était complètement abusé le dérapage de la Volkswagen. Gauche 3.
n'importe quoi. Ah oui, là, tu veux. L'autre excité sur le bord de la route. Faut que j'évite de mater le public parce qu'ils me font me déconcentrer. Alors, j'ai été mauvais à quel point? Ah, j'ai l'impression oui, que j'ai fait moins bien. Alors, attends, je la retente. La dernière portion était bonne. On y retourne. Et je dors debout, hein, je suis désolé, mais là je suis tellement babacool aujourd'hui que. Et ce qui m'effraie, c'est qu'après une nuit de 10 heures de sommeil, je suis encore capable là maintenant d'aller retourner et faire une sieste. Ce qui est pas bon signe en fait. C'est-à-dire que je suis vraiment claqué. Décidément, ce passage au début, c'est l'enfer. Droite 5, low. Comment?
truc. Je suis un petit peu trop sale du départ là. Gauche à fond de temps, droite de gaz. Gauche à 5 sur, droite à fond. Gauche à 5 temps, droite de 4, long. Je sais pas, ouais, j'ai peut-être fatigué mon organisme. T'as pas dormi de la nuit, Kizumi ? La vache, dure. On a cassé quelque chose. Mais là, je suis en train de bouger la bannière parce que j'ai lu le chat en fait. Et là, on va sur la plage. Excellent! Ah, je savais même pas qu'ils avaient programmé ça, dis donc. Ah bah voilà, j'ai souillé la plage, c'est honteux. Une si belle plage. Ouais, allez. Rien que le premier petit pont, là, je vais essayer de le passer sans laisser des pièces détachées. Voilà. En plus j'ai peut-être dormi dans une mauvaise position aussi. Oh, mais il est chiant le copilote, il te stresse. Il a tout de suite une montée en voix. Attention, lâche-la. Il stresse le mec. J'ai pas cette sensation désagréable dans WRC. Là du coup j'ai envie de planter ma tuture pour redémarrer parce que j'ai fait un début catastrophique. Tiens, contre le mur. Bon. Il est agressif ce copilote, je vais en changer, c'est un scandale. Il me stresse le mec. Ah non mais franchement. Mais ça que t'as parti rapide là dans les rocheuses avec le tunnel. Il faut être rapide mais c'est dangereux. Allez zou, un petit coup à la plage. Ah oui, non, mais on a un problème partout, on a fini dans l'eau. Ça, c'est du plongeon. On se croirait dans une cascade de films. Allez, voilà. Tout baigne. Ah. Bon, je suis content, j'arrive déjà à passer le petit pont sans le raccrocher. Je peux le faire. Ouais, ouais, non, mais c'est exigeant vers Ali 3. C'est ce que je craignais, c'est que ce soit punitif. Donc vous allez voir 15 fois la même étape. Et ça, j'aime pas trop que vous montrez ça. Je préfère avoir l'indulgence d'un WRC qui, certes, je suis des chronos nuls, je finis dernier, mais au moins, je traverse les paysages. Ouais.
cette partie-là est vicieuse. L'autre qui hurle. Ah bah, on est pas bon, mais le dernier secteur est correct. Oh la vache, ça fait le deuxième secteur, je déguste. Alors vous m'avez pris quoi? Oui, bah oui, c'était vraiment un chaos, elle fait une sieste. Ou alors je mise tout sur l'accélération dans la... pour la tuer. J'ai pas l'impression que j'atteins ma vitesse de pointe dans cette étape. On peut miser à mort sur la... Attends, d'ailleurs, je vais faire ça. Je vais faire ça, attendez. Je vais me relancer dans l'étape, mais avec tout dans l'accélération, on va voir si ça fait une nette différence. Voilà, pilotage, accélération. Je mets tout dans l'accélération comme un fou furieux. Je m'étire, vache. Alors, accélération au fond des ballons, ouais, ça vous plaît. Come on.
Ah, déjà mieux mon chrono. Donc effectivement l'accélération devrait me réussir. La dernière portion, je l'ai quasiment toujours maintenant. Mais là j'ai 10 secondes de retard et c'est vraiment le début, les deux premières portions qui me portent préjudice. Ah, j'ai voulu tenter en ligne droite, c'est pas passé. C'est pas passé. Aïe, 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 aïe. Oui. Voilà, c'est comme ça qu'on fait un réessayer. Bon, je vais y arriver. De combien là ? Gauche à fond dedans, droite de 4. Ah, de ça. Je peux avoir un peu de retard au début que je rattraperai sur la fin. Parce que la dernière portion, je suis bon.
Droite avant quand, gauche 5. 100 mètres, fais attention. Droite 4. Fais attention, au tunnel. Gauche 4. 100 mètres, épingle droite. Ouais, non, mais c'est abusé. Y a un comportement qui est psychédélique, surréaliste de la Volkswagen. C'est vraiment bizarre. Quand je suis au deuxième, voire au premier rapport, le freinage fait qu'il y a un survirage vraiment surréaliste pour moi. Parce que c'est le genre de... l'incident qui se produit quand on est à haute vitesse, pas à basse vitesse. C'est ça que je comprends pas dans la physique du jeu. C'est trop. J'ai perdu un temps stratosphérique. Il va me dire que j'ai 10 secondes de retard. On a perdu quelque chose. Droite 4. Oh, on a perdu un peu de. Gauche à fond de temps, droite 4. Gauche à fond de droit. Ah, je vais plus sévère. Gauche 5 sur, droite à fond. Gauche 5 temps, droite 4. L'eau. Tu vas me rendre fou avec ton idée de Saint-Nicolas Sarkozy, comme fan. Pitié. Ah. Est pas la bonne. Ah, intéressant. Là, les chronos sont beaucoup plus intéressants. Oh la vache.
Oui, oh, tu sais, tout se pique de nos jours. On ne désespère pas. On persévère. Non. On reste zen. Quelle idée d'aller chez le bord. C'est abusé le dérapage. Ah là j'ai bien ralenti. Je mise tout sur l'accélération là, je comprends pas. Il y a vraiment quelque chose qui m'échappe. Non mais c'est mort. C'est mort, mort, mort. Alors là je suis dépité. Mais littéralement dépité parce que pour moi je pilotais bien. Les réglages de la bagnole sont bons par rapport à ma feuille de départ. C'est juste que je ne comprends pas le côté sévère du simulateur. Et je comprends pas l'effet de la physique de la voiture. Pourquoi à bas régime, en seconde et en première, elle part en survirage surréaliste sur la fin. Là, je comprends pas. Bon, bah, sniff. Non, mais si... Non seulement il n'est pas facile, mais j'ai vraiment un sentiment de frustration. C'est-à-dire que je vois pas comment réussir. J'ai pas la comment on appelle ça, la philosophie du moteur de jeu. Je suis pas dedans. Je comprends pas. Je suis désolé, hein, je vous fais de la contre-performance. Bon, je suis peut-être parce que je suis mou ce matin, là, que je suis dans un état second bizarre, où j'ai encore envie de dormir. Pas de contrat, oui, bah oui. Bon, je vais sauvegarder ma contre-performance. Aïe, 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 aïe. Je vais dire oui, je sais plus ce que je peux faire comment ça s'appelle? En course rapide. J'ai le droit à quelque chose du coup ou pas?
Ah, on va peut-être essayer une autre piste. Ah, j'y ai pas le droit. Oh, pardon. Ah, je peux essayer les 1-1-6. Ah, la petite Clio. Ah oui, je comprends même pas les... Je pige pas l'interface. Voilà, châssis, ok. Ah, c'est là où je peux faire une boîte plus courte, plus d'accélération. D'accord. Ok. Bah, je vais quand même me faire une autre étape. On va voir quand même un autre paysage. Parce que je me voyais mal quand même finir avant midi avec un truc aussi répétitif et pas cool. 3, 2, ah bah c'est le beau paysage automnal là. C'est bien, on voit un peu. C'est vrai que le paysage est magnifique. Non, par contre, si je suis frustré avec ce Rally 3, en jeu de rallye, je risque de vous ressortir celui que j'aime bien, là, mon Mobile One, justement, au Royaume-Uni. Mais on fera encore les mêmes parcours, hein, du coup, on peut pas en inventer. Mais avec une autre bagnole. Avec une autre culture. D'ailleurs, je sais même plus quelle voiture j'avais prise la première fois. C'était pas la Mégane Renault, je sais plus. Il est stressant avec son concentre-toi. Oh, il est terrible. Je suis en train de me dire, parce que là je me sens vraiment avec l'envie de redormir. Je vais me faire une rapide sieste. Enfin une sieste. Je vais déjeuner et faire ma petite pause dans mon quartier. Ce qui fait que je reviendrai à je sais pas quelle heure tout à l'heure, peut-être 15h, 16h, je sais pas. Et là j'espère que je serai vraiment en forme. Et je lancerai mon signal sur Lara Croft. On fera la suite de Tomb Raider 3. Oula, j'ai tué 10 gens là. J'ai fait un strike dans le groupe de personnes, c'est une horreur. Ouais, on va retrouver Lara Croft. Alors leur pont est beau, mais là, je l'ai illustré. Oh que je suis contre-performant. On voit que je suis pâteau ce matin, ça va pas.
Aïe 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 aïe. Ou j'ai peut-être, vous savez quoi, encore un effet pervers de mon sevrage de caféine. C'est le café, là j'ai arrêté d'en boire, je crois, il y a une semaine, quasiment. Donc j'ai peut-être mon corps qui spurge encore de la caféine que je buvais un peu trop là. Peut-être pour ça que j'ai un sommeil déglingué. Une récupération d'énergie difficile, on va dire. Il y a un autre jeu qu'il faut pas qu'on oublie, qu'on est en train de mettre trop de côté. Enfin, je dis on, mais c'est moi, c'est ma faute. C'est le Lazarus, hein, le vieux FPS rétro là où on était en bonne voie vers la fin. On est arrivé à la 7ème mission sur les 10, je crois, qu'il y a. Sachant que. Pardon. Sachant que là ça devenait sous mes yeux hyper balèze parce que j'avais des ennemis qui me présentaient des roquettes dans la tronche et je dégustais. Il y a des moments fun fan, tu pars dans des délires qui sont propres à toi mais je te comprends plus. Il y a le père vert, mais est-ce que son cousin c'est le père rouge, le père Noël? Bon bref. Aïe 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 aïe. Bon du coup je vais regarder chez qui je vais vous faire un relais de chaîne. Avec cette belle tradition Twitch. Alors veuillez excuser hein, ma contre-performance de ce matin. Là je dors debout. Mais je suis bien content de vous avoir vu. Ah bah on va peut-être aller chez Mzel Bernada, tiens. Attendez voir que je réussisse à faire le... Oh non. Ah, erreur de syntaxe, rien ne va plus. Alors... Oui, que je vois bien son pseudo. Mzel Bernada. Voilà. Comme ça, on va aller chez les demoiselles. Ah, j'anticipe. Je débarque déjà sur sa chaîne pour voir. Mais merci tout plein hein, à vous tous d'avoir été là. Donc, j'espère que je serai frais comme un gardon quand même demain matin. Non, on se revoit cet après-midi. Non, mais il faut que j'aille me coucher là. J'ai mon cerveau qui s'est mal réveillé. C'est pas possible. J'ai oublié la phase de réveil ce matin, et là j'ai bugué, ça, je me reconnais pas. Bref, Lara Croft tout à l'heure, je sais pas. Ouais, le temps que je fasse un petit dodo, que je déjeune et que j'aille faire ma petite course, je peux pas reprendre à 14h, c'est pas possible. À mon avis, je reprendrai entre 15h et 16h. Voilà. Et puis moi aussi, il faut que je sois certain d'être frais pour ce soir chez FunFan. Donc voilà, voilou. Ouais, c'est bizarre. Allez, on file chez mademoiselle Weneda qui fait du... Bonjour, Hello Gear. Pardon, type sur la fin, là. Je reprendrai cet après-midi. On va chez Weneda qui fait du Phénotopia. C'est bien, là, après une convalescence, elle a repris hier son antenne, Weneda. Vous allez voir, elle va vous offrir du divertissement. Elle est douée. Ouais, merci d'être passé, le guide, c'est gentil. Ciao. Et merci aux anonymes qui regardent. À la prochaine. Ciao, bisous. Prenez soin de vous.